Salut tout le monde, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Alors je vous présente aujourd'hui un nouveau tuto et on va regarder le morceau 100% de Johnny Hallyday. Ce morceau est sorti en 1999, il est tiré d'un album qui porte le même nom 100% et il a été écrit par son fils David Hallyday. Pour jouer ce morceau, je vous propose donc un petit arrangement qui va nous permettre de mettre de côté la plupart des barrés. Pour jouer ce morceau, donc on fera un arpège que je vous conseille de faire au médiator, donc je vais vous expliquer tout ça, et donc on aura juste besoin de jouer que des accords de base. Donc à vos guitares acoustiques les amis, c'est parti. On va donc placer un capodastre à la troisième case, ce qui va nous permettre, en faisant un accord de la mineur ici, de substituer la tonalité d'origine qui est do mineur. Il y a de très bons tutos sur YouTube qui vont vous expliquer comment jouer ce morceau-là en tonalité de Do mineur, donc avec le barré. Nous, on va le substituer par un La mineur et le capodastre, et en fait, ça va sonner quasiment pareil. Au niveau des positions d'accords de base, on aura besoin d'un accord de La mineur. On aura besoin d'un accord de La mineur, basse, de Sol. Donc là, je vous mets pas la position à l'écran, mais c'est très simple. À partir de cet accord de La mineur, on va placer le petit doigt à la troisième case sur la grosse corde. Donc en fait, ça serait une position de La mineur, basse de Sol. Ensuite, il faudra jouer un barré Fa. Ça sera le seul barré dont on aura besoin. Comme on fera un arpège, moi, je vais prendre une position que j'aime beaucoup, qui est la position avec le pouce ici à la première case. Donc le pouce à la première case sur la corde demi. Et ensuite je placerai mes trois doigts ici. L'index, première case, corde de si. Le majeur, deuxième case, corde de sol. Et l'annulaire, troisième case, corde de ré. D'accord? Donc si on voulait faire un accord, on ferait ça. Mais comme on va faire un arpège, cette position-là, donc avec quatre notes, suffira largement. On en reparlera tout à l'heure. On aura besoin d'un accord de Ré mineur. On aura besoin d'un accord de Mi majeur. Et on aura besoin d'un accord de Do majeur. Ok? Le morceau commence par une introduction qui sera jouée deux fois. Voilà comment on va jouer ça. On va placer notre accord de La mineur. Avec le médiator, on va attaquer l'accord de La, l'accord de Ré, Baba. Ensuite, on va attaquer la corde de Si en remontant et la corde de Sol, ce qui nous donne 4 notes pour commencer. Ok? Donc, corde de La, Ré, Si et Sol. Ok? Ensuite, on va placer le petit doigt ici. La basse va changer. Elle ne sera plus sur la corde de La, mais sur la corde de Mi. Et ensuite, on attaque les trois mêmes cordes que tout à l'heure, c'est-à-dire la corde de Ré, la corde de Si et la corde de Sol. D'accord? Donc là, on a joué 8 notes. Donc ce sont les 8 croches de la première mesure. La mineur, la mineur basse de Sol. Et ensuite, on va voir le Fa. Donc le Fa, comme je vous ai dit, soit on fait un barré, comme ça. Et pour moi, c'est difficile de faire un barré et d'arpéger. Et comme j'ai plus ou moins des grands doigts, la position avec le pouce ne me pose pas de problème. Donc je vous montre ça. Je place le pouce à la première case comme je vous ai montré tout à l'heure. Et je vais faire la corde de Mi, la corde de Ré et la corde de Si. En fait, il n'y a que trois notes. On va laisser sonner cette dernière note un petit peu
Et sur la croche en l'air du quatrième temps, pour relancer l'introduction, on va faire le sol ici. D'accord ? Ce qui va nous donner ça sur le fa. Et après, je recommence la mineure, le sol et le fa. Je le fais en boucle. Sol, la, sol dans les basses et fa. Ce sera à faire deux fois. Comment réussir à faire ce fa comme ceci? Si vous voulez pas faire le fa comme ça, vous faites un fa normal. Moi, j'avoue que j'ai du mal à bien faire sonner les notes comme ça. Ok, pourquoi pas. Alors, si vous avez une guitare classique, évidemment avec une guitare classique, le manche est énorme, donc c'est quand même assez difficile de pouvoir réussir à faire cette position-là. Vous pouvez vous entraîner, si vous avez une guitare folk et que vous avez du mal, vous pouvez vous entraîner à le faire sur une guitare électrique. Le manche de la guitare électrique est beaucoup plus fin, donc c'est beaucoup plus facile à faire des positions comme ceci, même si on a des petits doigts. Donc si vous avez une guitare classique, pensez peut-être à investir dans une guitare folk, où le manche déjà sera un petit peu plus fin. Et puis si vous avez déjà une guitare folk, par exemple si c'est une vieille guitare, et si vous pensez qu'effectivement, il va falloir peut-être que vous rachetez une autre guitare, essayez de trouver une guitare folk avec un manche pas trop gros. Il existe par exemple des baby guitares, hein, qui sont aussi des guitares pour adultes, et qui permettent d'avoir un gabarit guitare un petit peu plus fin, pourquoi pas, et puis qui vous permettra sans doute de pouvoir jouer avec le pouce. Donc je reviens sur l'introduction, donc regardez bien les coups de médiator, je vous les ai expliqués tout à l'heure, et donc l'introduction est à faire deux fois. À partir de là commence le couplet. Donc on a fait sol, la, pas de souci, le la c'est le la du la mineur. On va faire un la mineur comme tout à l'heure. Un la mineur basse de sol comme tout à l'heure. Ensuite on va faire le fa. On va faire un petit peu plus de notes. On fera un petit mouvement mélodique, vous allez voir, qui nous amènera vers le ré mineur. Donc on place la position de fa comme ça, ou comme ça si vous préférez. On va faire donc la corde de mi, la corde de ré, bas-bas, la corde de si et de sol en faisant o, o, d'accord ? Donc 4 notes, 1, 2, 3, 4. Ensuite, je vais faire la corde de ré, toujours dans la même position, la corde de ré, la corde de sol, à nouveau la corde de ré. Et ensuite, je vais amener le majeur à la deuxième case sur la corde de ré. Ce qui va nous faire 3, 2 sur les deux dernières croches de la mesure. Donc voilà le mouvement sur le fa. D'accord ? Et derrière, je vais faire ré à vide. Donc en fait, sur la corde de ré, on fera 3, 2, 0. Le 0 sera la première croche de l'accord de ré mineur. Donc je refais tranquillement le mouvement sur le fa. La corde de ré à vide, on vient juste de la jouer. On va faire corde de ré, sol, si en remontant, je reviens sur la corde de sol, donc ça nous donne 4 notes. Bas, bas, haut, bas. Ensuite j'attaque la corde de mi aigu. Ensuite j'attaque la corde de sol. Donc ça nous donne 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va à nouveau faire un petit mouvement mélodique en double croche. On va faire deux doubles croches-croche. Avec le premier doigt sur la corde de ré, on va faire 2, 3 en hammer. J'attaque 2. Et avec la force du majeur, je fais un petit coup de marteau, ce qu'on appelle le hammer. Donc on hammerise. Corde de ré à vide. Et ensuite, on passera sur le mi. Donc voici le mouvement sur le ré. Encore une fois, lentement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Ensuite, on va placer l'accord de mi majeur.
Alors en fait, souvent quand on fait des arpèges, on n'est pas obligé de placer la position complète. Vous pouvez rester là-dessus. Moi, je vais faire un petit accord demi à deux doigts, vu que je vais arpéger. Et en fait, j'aurai le majeur à la deuxième case corde de ré et l'index à la première case corde de sol. Et le mouvement va être celui-ci. Corde demi, corde de ré, bas-bas, corde de sol en remontant. Je reviens sur la corde de ré. Donc ça nous donne 4 notes. 1, 2, 3, 4. Et ensuite, on va faire deux noirs à vide sur la corde demi et sur la corde de si. 1, 2, 3, 4. J'enchaîne la mesure de ré mineur et demi. Je vous joue maintenant tout ce qu'on a vu sur le couplet, lentement. Cette partie-là sera à faire deux fois. Ensuite, on va revenir sur l'introduction qu'on a vue tout à l'heure, celle-ci. D'accord, à faire deux fois. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que de temps en temps, lorsqu'on revient sur l'introduction, peut y avoir un petit peu plus de notes sur le fa. Nous, on faisait ça. Ça sera donc à vous de rajouter les deux, trois petites notes qu'on peut faire. Ok ? Donc depuis le début, on a fait introduction deux fois, couplet deux fois, introduction deux fois. Ensuite, donc, on arrive sur le couplet. La première fois, on va faire exactement pareil, d'accord ? Et la deuxième fois, ce qui va changer, ça va être le mi qui va nous amener vers le refrain, d'accord ? Donc la première fois, on faisait ça. On faisait ça sur le mi. En fait, sur le mi, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire moins de notes, on va juste faire 5 notes, les mêmes 5 premières notes. On fera juste que la corde de mi aigu. Et c'est à partir de là qu'il va dire au-delà de nos différences. Donc rythmiquement, en fait, ce qui se passe au-delà de chanter, cette note-là, en fait, va durer 4 temps. Donc il faudra compter comme ça. 2, 3, 4, et ensuite on arrive donc sur le refrain. Et donc pendant ces 4 temps, Johnny va chanter au-delà de nos différences. Ok ? Voici donc le refrain, même démarrage que le couplet. Ensuite le fa, les mêmes 4 premières notes. Et on va refaire une deuxième fois ces notes-là, d'accord ? Donc sur le fa, sur la mesure de fa, on va faire ça. Ok ? Ensuite, on va placer un accord de do majeur. On va faire basse de la. Ensuite, corde de sol, ba-ba. Corde de mi, corde de si, o-o. D'accord ? Ensuite, on va changer de basse sur l'accord de do. On va prendre la basse sur la corde de ré, donc corde de ré, corde de sol, corde de mi et corde de si. Donc sur le do, le mouvement, le voici. Une fois la basse sur la corde de la, une fois la basse sur la corde de ré. Je refais. Ensuite, on va passer sur l'accord de mi majeur, donc soit vous placez comme tout à l'heure la grosse position de mi, ou comme je vous ai montré le mi à deux doigts. Sur le mi, on va faire corde de mi, corde de sol, mi, si, c'est les 4 premières notes, et ensuite la basse corde de ré. Donc sur le mi, on va faire ça. D'accord ? Je vous montre l'ensemble du refrain qu'on a vu pour le moment. Le fa. Le mi, on va le faire une deuxième fois, le sol, le
deux fois le même mouvement, le dos. Et là, donc la deuxième fois, sur le mi, on va faire que les quatre premières notes et on va faire... Voilà. Et ensuite, on retourne sur l'introduction, deux fois. Comme je vous ai dit, sur le fa, on peut rajouter quelques notes. Donc deux fois, ensuite on retourne sur le couplet, ensuite on retourne sur une introduction, ensuite on refait le couplet, et on sait que la deuxième fois, on va faire que 5 notes sur le couplet, qui va nous amener vers le refrain. Les 5 notes, je vous les remontre. Au-delà de... Ok. Ensuite, on arrive sur le refrain, et là le refrain, en fait, on va le faire 4 fois. Sur ces 4 fois-là, on va faire 3 fois... le mouvement normal. On va faire 3 fois comme ça. La 4e fois va nous ramener vers l'introduction qui sera la fin du morceau. Donc bah, la 4e fois du refrain, sur le mi, on fera ce qu'on a fait tout à l'heure pour sortir du refrain. Ok ? Donc là, on a quasiment fait tout le morceau. Pour finir le morceau, ça va être l'introduction à faire 4 fois. Et la 4e fois, en fait, on restera sur le fa longtemps. Et on pourra finir comme ça. Donc je vous fais l'introduction la 4e fois complète avec le petit passage de fin. Donc ça normal, le fa, et ensuite... Donc une fois que j'ai fait l'introduction, la 4e fois, après je fais donc corde de mi, corde de ré, corde de si, corde de sol, plusieurs fois, et on pourra s'arrêter pourquoi pas sur cette note là, d'accord? Plusieurs fois, et là je vais m'arrêter, et c'est la fin du morceau. Voilà les amis, c'est la fin du tuto, donc qu'est-ce qu'il faut retenir du morceau? On l'a simplifié parce qu'on utilise un capot à la 3e case, donc en fait on compte que des accords de base, mais il y a ce fameux fa qui nous pose problème. Donc il faut absolument déjà bien savoir jouer l'accord de fa avec le barré, et après essayer d'adapter un petit peu avec ce que je vous ai dit, avec l'option du pouce, ça peut vraiment vous aider de jouer le fa comme ça, surtout en arpège. Et on regardera très prochainement un morceau de Led Zeppelin qui s'appelle Baby, I'm Gonna Leave You, pareil à l'acoustique. Et je vous expliquerai que Jimmy Page, lui aussi, utilise cette position avec le pouce. C'est très utilisé en guitare rock, surtout à la guitare électrique. Donc entraînez-vous peut-être d'abord à la guitare électrique. Et puis à force de le faire, bah vous verrez que sur la guitare acoustique, ça passe aussi. Ce morceau nous a aussi permis de travailler des arpèges au médiator. Alors à vous de voir, vous pouvez très bien faire le taf avec les doigts, comme moi quand j'étais débutant, et je me suis rendu compte quand même avec le temps qu'avec le médiator, ça sonnait quand même plutôt pas mal. Donc pourquoi pas vous mettre, à partir de ce morceau-là, au médiator pour jouer les arpèges. Vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça, et ça va vous permettre aussi de maîtriser un petit peu plus votre guitare, de sentir un petit peu plus les cordes, et ça va vous faire progresser d'une manière générale. Voilà les amis, donc je vous dis à très bientôt. Éclatez-vous bien sur ce super morceau signé David Hallyday, et je vous dis donc à très vite. Bye bye.